vous regardez bien sur votre droite, vous avez des grimpeurs devant. Des alpinistes. Mesdames, Messieurs, ici nous sommes dans la quatrième calanque. C'est la calanque de Loule. Loule, en provençal, ça signifie le chaudron, la marmite. Vous voyez, par sa forme circulaire, ses parois verticales dans lesquelles l'eau bouillonne comme un intérieur d'une marmite pour jour de temple. Ça tape de tous les côtés et ça boue. Droit devant vous, vous apercevez les grandes orgues de Loule, ces zones striées, calcifiées verticalement. Et tout à fait en haut au sommet devant vous, à droite, vous apercevez les rochers, les trois capucins. Capucins qui vous tournent le dos avec leur capuche. Je vais vous montrer la grotte d'Ulysse. Lorsqu'il venait, avec Pénélope, battait son arc, c'est ici qu'ils se rencontraient. Pour entrer dans cette faille, et il y a une grande galerie. Les jet skis et les canoës, on y rentre, et à l'intérieur, c'est une grande galerie. Ah oui, dessous, eh oui, là, regarde, là-bas. Là et là. Nous laissons ce coup. Ah oui.
mesdames et messieurs, devant vous à droite, cette énorme aiguille de calcaire qui sort de l'eau, c'est l'aiguille de l'Eissadon. L'Eissadon en provençal, c'est une pioche. Et comme toutes les aiguilles, elle est percée à sa base, qui la traverse de part en part, un orifice qui traverse de part en part au chat de l'aiguille. On l'appelle justement le chat de l'aiguille, les couturiers et couturières, et savent ce que c'est. Et nous arrivons au terme de notre promenade, car ici c'est la cinquième calanque. C'est la calanque de Devinson. Devinson, c'est la contraction de deux mots, l'Aïe des Vins. Et l'Aïe des Vins, ça signifie le lieu des vents. Devinson, c'est aussi cette falaise haute de 230 mètres, falaise très redoutable à grimper, car elle atteint un surplomb énorme. Seuls les alpinistes chevronnés et les grands noms de la grimpe y viennent s'entraîner. Devinson n'est pas accessible à pied, mais elle se termine par un petit îlot qui est devant vous. À gauche, vous voyez ce petit rocher que vous apercevez, c'est le dromadaire de Devinson. Donc nous allons essayer de le contourner. Ce dromadaire, ainsi nommé sur les cartes marines, il a la tête tournée vers le rivage. Something there.
this. Must be this. Alfred Hitchcock, Steven Spielberg. Next up, Ken. À présent, sur votre droite, au large, l'île que vous apercevez à deux pointes, c'est l'île de Riou. Ce sont les archipels marseillais. Cette île est inhabitée, il n'y a pas de construction, c'est sauvage. Si vous voyez un peu plus à droite, vous voyez l'île plane. Et si vous continuez encore un peu plus loin, vous y rencontrerez encore plusieurs îles. Les îles, et la plus importante aussi, à droite, c'est l'île d'If, l'île du château d'If. Derrière, vous avez Marseille. Voilà l'île de Riou qui ressemblerait à Mont-Saint-Michel, vous voyez, la dérivée. On the left, it's the castle of If.